À l'ouest, c'est The Lord of Samurai. Pour la map Indiana Jones, encore une fois, sur le niveau 8, le dernier niveau de notre aventure. Est-ce que j'avais besoin de ça? On va changer ça. Donc le niveau 8 qui est le dernier hein, techniquement parlant puisque il me reste encore un mini game à faire apparemment très difficile puisqu'il est marqué hard dessus et j'avais annoncé la dernière fois aussi que j'avais eu il me manque des Magic Ace hein, j'en ai 5 je suis où 8e niveau, donc il manque deux déjà. Donc, un comme j'ai dit la fois passée, qui me manque dans le niveau 6, c'est Holy Grail, mais aussi un qui me manque quelque part dans un des autres niveaux. Je sais pas quoi. J'ai découvert la dernière fois qu'il me manquait aussi des bottes dans le niveau 1 et. Et je ne sais plus quoi dans apparemment le niveau 2. Donc du coup tout ça se fera dans un épisode spécial bien sûr. Histoire d'achever la map. Je vais pas dire à 100% mais en tout cas le plus près possible 100%. Donc du coup nous allons commencer par le... Ben non pas le niveau 4. Le niveau 8 c'est possible. Et j'en ai marre que l'autre il me spamme là. Marcus, Marcus. Tu te calmes! D'accord? Hein? Bon. Allez hop, c'est parti. Bon, j'espère que j'aurai pas autant de soucis qu'au dernier épisode, puisqu'on avait un bloc de commande qui ne voulait pas prendre ma position. Et c'était quand même plutôt gênant. Alors. Je sais pas pourquoi je le sens mal, ce bloc. Bla 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 bla. Ah bon, on n'est pas loin de cette là parce qu'on était pour l'arche. J'avais même pas vu qu'il y avait une structure ici. Non, oh. Non. T'es obligé de mettre des diamants qui s'appellent troll lol, sérieux. Oh non, 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 ah non, 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 ah non, faut pas, faut quand même pas que j'appuie sur ces machins. Dis-moi quoi. Alors, finalement, on y est arrivé. Maintenant, on va devoir trouver la route pour le temple, pour entrer dans le temple. Ouais, oui, il va falloir. Ouais, Ouais, c'est bien ce que je disais, ouais, il va falloir appuyer sur le bouton. Sauf que il n'y a strictement rien qui me dit sur lequel appuyer. C'est plutôt space, on va dire. Là, j'ai appuyé sur tout ça, presque. Bah, celui-là, il me disait quelque chose, peut-être. Il me dit pas. On est d'accord que rien ne s'est ouvert ou... N'est-ce pas mon cher? Bon, j'appuie sur tous les boutons.
Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, donc voilà, c'était bien ce bouton-là, ou celui-là d'ailleurs, quand j'ai eu le petit message dans le chat. Le problème, c'est que ça active un bloc qui est vraiment loin et qui n'est donc pas pris en charge par le chunk. Donc je me suis mis un petit levier. Alors là, qui continue le système. Et qui devrait logiquement ouvrir quelque chose. Ah, c'est pas vrai, me dis pas que je vais encore avoir un fail, quoi, sérieux. Je me refous dans le coin. Donc, je vais finir pour manger. Voilà, donc en fait, le je sais pas pourquoi, il y a un TP qui a pas marché. Donc, c'est censé me TP ici à l'intérieur. Et donc je suppose que je dois continuer en descendant et en faisant mal. En espérant que ce soit pas le contraire. Donc il y avait un TP là. Et voilà. Ça. C'est moi, il y avait un bruit. Je vais pas récupérer Gold Nuggets. Pour moi, ça me sert à rien. Par contre, il y avait une belle petite pomme. Lequel je ne dirais pas non. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que parfois dans les bruits instants, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, c'est que je planque des potions. Wow, oh, il y a pas de coffre partout. Donnez-moi les coffres. Donnez-moi les yeux. Donc ils ont planqué des coffres un peu partout, donc je fais gaffe. Si jamais. En tout cas, tu sais tort. On aurait de quoi faire perdre la tête à pas mal de gens. Outfield. J'arrive pas à le poser dessus, en fait. J'arrive à le poser à côté, même pas dessus. Le c'est pas un bug. C'est pas un bug, c'est qu'on ne peut pas. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc j'ai réussi, bon, on créera, à poser ma tête, mais il se passe strictement rien. Donc à mon avis il y a encore un souci avec le test. Je sais qu'en fait on a eu des soucis chez nous aussi. Entre la 1.7 et la 1.8, il y a eu quelques différences avec certaines commandes. Et que du coup ça ne fonctionne pas. Donc je vais devoir malheureusement
me téléporter entre guillemets de l'autre côté. Et je fais ça tout de suite. Et me voilà donc téléporté derrière le truc. J'ai enlevé une fine de un de mes crânes pour pouvoir continuer. Et du coup, oh non, 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 vous me faites la même chose. Vous êtes sérieux? Je peux pas, on peut pas, on peut pas. On peut pas le faire, ça marche pas. Bon bah, on refait comme tout à l'heure. Et voilà. Ah oui, oui. Bon, pendant que j'étais en train de mettre le crâne, je vous ai repris un peu tard. En fait, dès que j'ai posé, j'ai remplacé l'anvil par un bed block, qu'on voit là, puisqu'il a sauté. Et ça a fait spawn cette bestiole une fois que j'ai mis le crâne par-dessus. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné de l'autre côté, parce que j'ai utilisé la même assise. Ah. J'ai du diamant ici. Et quoi, j'ai pas de passage. Pas de passage qui aurait pu s'ouvrir, quelque chose comme ça, non? Il n'y a pas de side quest ici. Et voir ce que je dois faire pour la suite. Bref. Et donc voilà. Vous allez vous demander pourquoi je suis arrivé là. Ouais, tout simplement parce qu'en fait, après avoir battu le boss, bon, on arrive ici. Bon, du coup, c'est bien dommage. J'ai regardé une vidéo, hein, j'ai pas le temps, j'ai mis en pause d'enregistrement, où la personne utilise la 1.7 et arrive justement à poser la tête, contrairement à moi. Et où bah, ça se passe quand même beaucoup mieux pour lui que pour moi. Donc j'ai suivi un petit peu le truc. Tout à l'heure, je suis arrivé dans la salle où il y avait de l'eau en bas, et où j'ai descendu. En fait, il se trouve que les blocs en haut disparaissent et on tombe dedans, en fait. Sauf qu'ici, bah, je ne suis pas tombé dedans puisque il n'y avait pas de. Enfin, je n'ai pas vu de. Certains blocs commandes sont vides, en fait. Donc, du coup, il y a. C'est ça qui se passe, c'est qu'il y a certaines commandes, bah, qui se font pas, puisqu'elles ont disparu. Et donc, du coup, ben, ça pose un souci. C'est dommage parce que les 6 premiers épisodes sont très bien passés. Dans le 7ème, il y avait déjà eu un souci. Là, j'avais pas vu de bloc de commande vide. Enfin, je pense pas, du moins. Et ici, ben voilà, ça a foiré d'un bout à l'autre. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même continuer. J'ai un jump boost. Et. Et voilà! Ah! Enfin, nous avons fini tous les niveaux. On a fini tous les niveaux. Non sans mal, surtout pour les deux derniers. Hein, je crois que c'est lié en fait à la qualité du film. Parce que j'ai pas eu de soucis pour les autres, bizarrement. Juste pour celui-là, ça m'a foutu la merde, pas impossible. Donc du coup, je vais pas vous emmerder plus longtemps. À moins que je n'aie récupéré quelque chose de spécial. Ce qui n'est pas le cas. Et je n'ai pas. Ah. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. On va aller voir tout de suite. Le side quest. Ça me dit quelque chose. Antique watch. Nope.
Non, ça c'est fait. Toi, tu cherches de la boue. Ça faudra m'expliquer ce que j'en trouve parce que j'ai pas vu de vache du tout. Ouais, ça c'est un truc qu'on avait paumé. Ça c'était fait aussi. Et du coup, je ne sais pas quoi dire. Avec quoi j'aurais pu confondre moi ça? Il y a quelqu'un qui me parle. Niveau 7. Oui, ça s'est trouvé. Ouais. Niveau 8. Ah! Donc en fait, je devais trouver ton antiquatch au niveau 8. Bah, tu m'excuseras, mais le niveau 8, il a tellement bugué que j'ai eu beau fouiller partout. J'ai pas trouvé. Et toi, c'est au musée? Ouais, donc c'est ça, il vaut mieux qu'il y a quelqu'un qui parlait d'arc. Donc du coup, j'ai confondu avec lui. Mais que cela ne tienne, on va revenir dans la salle. Voilà. Avec l'œil de Sauron qui. Je me raconte toujours d'un drôle d'air. Ah, mais si, il y a une table d'argent aussi. Ah, sauf que, voilà. Voilà, encore un stress, c'est qu'il faut. On pourra chanter quelque chose. Ouais, bon, fatalement, bon, pas un bâton. Il faut maintenant du. Enfin, depuis l'1.8, il faut du lapis lazuli. Donc, du coup, voilà. Voilà. Si j'avais su que j'aurais autant de soucis en 1.8, j'aurais mis la 1.7. Enfin, j'aurais fait tourner la map en 1.7. Ça aurait été quand même plus judicieux. Mais bon, j'ai fait les trois quarts en 1.8. Si je repasse à 1.7 maintenant, ça va poser des soucis. Et de toute façon, les blocs de commande vides ont déjà été affectés. Donc, faudrait que je recommence vraiment tout depuis le début. Après 8 épisodes, voilà. C'est un peu chaud. Donc du coup, voilà, on va se quitter là-dessus. La semaine prochaine, ou peut-être avant, il va y avoir des perturbations dans l'avancée de ma chaîne. Je ferai un épisode spécial pour récupérer. Ce qui sert au side quest pour faire les minigames. Quelque chose me dit que ça va pas durer très longtemps, donc à mon avis il y aura qu'un seul épisode. Voilà, maintenant si ça vraiment ça devait être un peu plus long, ou si tout simplement je retrouve toutes les Magic Eye et qu'il y a lieu de faire encore un autre épisode, ben, on fera ce qu'il faut pour. J'irai voir aussi ce que je peux faire avec du diamant. Oh. Non, ça je vais le faire maintenant en fait. Et non, c'est pas en side quest. Les diamants, je me demande si c'est pas par ici. C'est June Shops. Ouais, c'est ça. Alors, ça c'était fait. Et ça, ce n'est jamais que du stuff complètement inutile. Donc ça, pareil, c'est du stuff. Oh! Là, je me la ferais bien, celle-là. Voilà, tout du stuff. Complètement inutile pour moi. Pour mon goût, en tout cas. Non mais t'es vraiment un dégueulasse hein, mon grand. Oh là là, il faut vous retenir. Ah, donc ouais, c'est ce que je dis. Et c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer en fait une couronne en un. Voilà, tiens. Mange cela. Voilà. Ce qui permettra en fait, comme vous pouvez le voir. Enfin, ça se voit pas bien parce qu'il y a de la lumière ici.
Non, ça sera pas beaucoup plus. Donc en fait, la couronne en or me permet. Après, où je suis parti, moi encore. Non, pas. Me permet en fait d'éclairer les endroits sombres. Ce qui n'est pas plus mal pour rechercher, pour le prochain épisode, les différents objets de side quest que j'aurais pu zapper. Enfin, que j'ai zappé. Et donc, c'était The Lord Samurai avec sa jolie couronne en or pour le 8e épisode de la map Indiana Jones. Et donc, nous aurons l'épisode bonus pour la prochaine fois. Salut, salut!